Eh bien, fidèles internautes, nous vous saluons. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bonjour ou bonsoir. Nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous présenter notre émission que nous avions intitulée « Point de vue ». Point de vue, pourquoi ? Parce que nous voulons donner la parole à nos compatriotes qui sont ici en Australie et partout ailleurs à travers l'Australie et puis dans d'autres États, bien sûr. Alors aujourd'hui, pour la première fois, pour introduire notre émission, nous recevons pour vous certains compatriotes qui vivent à Brisbane. Ils vont se présenter et avec eux, nous allons débattre de la situation politique actuelle dans notre pays, la République démocratique du Congo. Eh bien, par rapport à la situation de notre pays, la République démocratique du Congo, nous sommes ici réunis pour essayer de décortiquer la situation de notre pays en ce moment. Alors, nous avons nos invités, ils vont se présenter et de là, nous allons débattre sur la situation de notre pays, la République démocratique du Congo. À ma droite, j'ai le premier invité qui va se présenter. Merci pour l'invitation, messieurs les chroniqueurs, journalistes et Alpha. Je suis Rifin Kengbangbamambeye, habitant à Brisbane, province de Queensland, en Australie. Je suis toujours présent pour répondre à vos préoccupations concernant mon point de vue sur notre pays qui est le Congo. Merci beaucoup. Et à sa droite. Merci beaucoup, monsieur Alpha, pour la parole. Moi, je réponds au nom de Sylvain Dubou, habitant de Queensland. Et je suis très content et heureux de participer à cette émission. Point de vue où nous allons essayer un peu de donner le point de vue à tout ce qui se passe au Congo. Merci. Et à mon extrême droite. Bonjour, messieurs les journalistes, le commandant Alpha. Je suis Apollinaire, comme tu l'as bien dit. Je suis très content de participer à cette émission Point de vue, où nous allons partager nos points de vue par rapport à la situation politique au Congo. Merci de vous présenter. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler un tout petit peu de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, la République démocratique du Congo. La toute première question que nous pouvons débattre, quel est l'état actuel de la situation politique de notre pays, la République démocratique du Congo? Quel est votre point de vue? Tel est l'intitulé de notre émission sur la situation politique actuelle de notre pays, la République démocratique du Congo. Oui, merci pour la parole. La situation politique de notre pays, le Congo, est tellement chaotique parce que au niveau politique, les trois institutions, la présidence, ainsi que les parlements et les cours et tribunaux sont déjà illégaux. Et puis nous assistons aussi à des situations où les droits de l'homme n'est pas respecté et les choses ne marchent pas. Concernant les élections pour la légitimité du pouvoir, là ça pose encore des problèmes parce qu'on n'est pas certain si ces élections seront organisées ou pas, vu la grandeur de notre pays. Donc pour moi la situation est très confuse pour les Congos, d'où la solution serait toujours s'asseoir dans les tables des négociations et parler de la situation de notre pays. Merci pour votre intervention. Nous avons Sylvain qui est avec nous. Il y a eu un meeting de l'UDPS qui a été... On leur a laissé faire. Contrairement aux précédentes manifestations où la police intervenait avec force. Alors, quelle lecture faites-vous de cette facilité de laisser à l'opposition, incarnée ici par l'UDPS, d'organiser des manifestations? Est-ce que cela prouve qu'il y a des crispations de la situation, de la scène politique dans notre pays, ou bien ils sont encore en train de jouer au jeu de cache-cache? Moi, je ne crois pas qu'il y a déjà une solution au Congo. Moi, je crois que peut-être c'est un arrangement. Je ne sais pas si l'accord qui a été signé entre l'UDPS et donc le gouvernement congolais,
Bon, nous ne savons pas ce que Félix et l'autre gouverneur ont décidé pour résoudre un peu ce problème. Bon, je crois que c'était question d'abord de voir, d'abord d'écouter d'écouter ce qu'ils ont décidé dans leur accord entre le gouvernement congolais, entre le gouverneur de Kinshasa et M. Félix Kana. Félix Tshisekedi. Nous ne savons pas ce qu'ils ont décidé, puisque dans le passé, on voyait quand même les catholiques aller sur la route. Il y avait aussi des policiers qui allaient attaquer, qui allaient les stopper. Mais pour le moment, nous voyons que le gouvernement a laissé même, a même donné des policiers pour aller accompagner Félix au stade. Merci beaucoup. Une question pour Apollinaire, qui est à notre extrême droite là-bas. Il y a eu réunion de la SADC. La SADC, qui est une organisation des États de l'Afrique australe, et notre pays, la République démocratique du Congo, fait partie de cette organisation panafricaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet? Puisque dans ce sommet, on devrait parler de la situation de notre pays, la République démocratique du Congo, où on a noté que par deux fois, M. Joseph K n'a pas répondu. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Alors, il n'a pas été le bienvenu en Angola. Et aujourd'hui, il y a eu cette rencontre de l'Angola, de la SADC. Quelle chance donnez-vous à cette rencontre par rapport à la situation de notre pays, la République démocratique du Congo? Ce refus-là manifeste son danger. Il a compris que non, l'air est vraiment au point qu'il quitte le pouvoir. L'air est sombre pour lui. C'est pourquoi il ne voulait pas se présenter. Il continue à faire la tête. Moi, je souhaiterais que la SADC puisse cette fois-ci écouter la voix des Congolais. Parce que tout Congolais voudrait à ce que Kabila parte. Il voudrait à ce que ce gouvernement quitte et que nous pourrions organiser notre pays convenablement et pour que nous puissions avoir une vie décente. Parce que la vie des Congolais est vraiment foulée en l'air. Donc c'est le dernier cri des Congolais, le départ de Kabila. Si la SADC peut jouer de son rôle et être vraiment pragmatique, le chasser du pouvoir, mettre fin à la pression, ça serait une bonne chose pour les Congolais. C'est ce que moi j'attends et ce que je voudrais voir. Merci beaucoup pour vos interventions. Ce sont donc vos points de vue par rapport à comment vous voyez la situation dans notre pays, la République démocratique du Congo. Cette année, c'est l'année électorale. Il y a des préalables pour que nous puissions avoir des bonnes élections dans ce pays, la République démocratique du Congo. Entre autres, il y a cette machine à voter que d'aucuns qualifient de machine à voler. Que pensez-vous de l'introduction de cette nouvelle forme d'élection dans notre pays, la République démocratique du Congo? J'ai dit donc les machines, cette machine à voler. Votre point de vue. Oui, merci beaucoup pour la parole. Encore une fois, ce que je disais, que la situation du pays est chaotique, voire même concernant les élections, je crois que avec la machine à voter, ce sont toujours des méthodes pour tricher des élections et demeurer au pouvoir par ces régimes qui ne veulent pas se libérer, qui ne veulent pas comprendre que non, notre constitution stipule qu'il y ait seulement des mandats pour le président et son régime. Donc, pour moi, je dirais, c'est une façon toujours de tricher et de demeurer au pouvoir. Et partant toujours de ce point de vue qui est élection, pour moi, je ne suis pas encore convaincu qu'il y aura une certaine élection au Congo. Parce que l'élection dite élection commence par les critères de choix des candidats. Donc, les choses ne sont pas encore très bien fixées pour ces cas-là. Et concernant encore les élections, il y a eu déjà des élections en 2006 et en 2016 avec la même méthode.
Mais cette fois-ci, 2011 et 2006, il y a eu les élections avec la même méthode, mais cette fois-ci, on a changé de méthode. Pour quelles raisons? Et ce sont des méthodes de tricherie avec la machine à voter que peut-être les pouvoirs en place mettent en place pour qu'ils puissent continuer à demeurer au pouvoir. Sachant bien que dans la situation du pays chaotique, personne ne va contrôler ces machines, comme personne ne va contrôler les élections, parce que le pays est très vaste, il n'y aura pas de témoins partout, vu l'insécurité, vu tout ce qui se passe au pays. Donc pour moi, la machine à voter n'est qu'une façon encore de tricher aux élections afin de continuer à demeurer au pouvoir pour les camps de ceux qui sont encore au pouvoir. Merci pour la parole. Sylvain, d'après vous, machine à voter ou machine à voler, votre point de vue? Pour moi, il faut d'abord faire le recensement et identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Et puis après ça, on pourra faire quelque chose pour aller aux élections. Vous parlez de recensement. Je dois vous rappeler que en 2015, il y a eu cette tentative de modifier la Constitution pour dire qu'il faut d'abord commencer par recenser la population avant d'aller aux élections. On a vu comment l'opposition s'est mise debout. L'article 3 qu'on devrait soumettre à l'approbation des députés, des élus, des députés au niveau du Parlement et au niveau du Sénat, ça a bougé et on a vu qu'il y a eu même des répressions puisque les gens se sont levés pour barrer la route à cette loi qu'on devrait mettre avant comme condition sine qua non pour organiser les élections. Il y a eu même des morts. Puisque le comble, c'est que si on voulait commencer par le recensement, ça nous prendrait énormément de temps, puisqu'il y a d'abord un problème d'infrastructure au niveau de notre pays. Alors, faire le recensement, ça pourrait encore allonger des choses pour que ça aille encore même 10 ans après. Donc, mais cette machine qu'on vient de nous introduire maintenant, c'est ce qui pose problème à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas, votre façon de voir l'introduction de cette machine à voter pour les élections. Bien ou bien ça va créer encore des problèmes dans notre pays? Pour moi, d'abord sur le recensement, parce que on doit savoir combien de personnes doivent voter. Si on dit qu'allons aux élections, sans pouvoir connaître le nombre de gens qui vont voter, en tout cas pour moi c'est inutile. Et c'est votre point de vue. Apollinaire, il y a machine à voter ou machine à voler, comme on le qualifie. Est-ce cette machine, elle est la bienvenue au Congo, puisque déjà on a vu les pays inventeurs ou créateurs de cette machine a dit non, c'est pas bon. Ils ont même demandé à ce qu'on puisse retirer cette machine et qu'on puisse livrer ces machines au Congo. Mais la CENI insiste et persiste avec cette machine. Comment voyez-vous cela? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, moi je dirais ceci. La machine à voter ou à voler, c'est juste une machine pour nous endormir. Il n'y a rien de sérieux. S'il fallait organiser des élections, comme a dit mon prédécesseur Sylvain, il fallait identifier les candidats, les Congolais qui vont voter, par les fichiers électoraux, qui sont morts, qui sont dedans, qui peuvent voter, les majeurs, ainsi de suite. Ils ont des techniques à faire. Il devrait y avoir une réunion entre l'opposition, la société civile et la CENI par rapport à cela. Mais ils brouillent toujours la carte, ils évitent, ils ont sauté, ils ont brûlé la carte, ils ont, ce qu'on dit, jump the steps. Ils ont, au lieu de commencer par l'état réel, parce que s'ils veulent les élections, si réellement ils le veulent, ils doivent commencer par harmoniser les fichiers et puis nous dire, par rapport au gouvernement, qui sera leur candidat? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui c'est toujours un mystère? Qui les gens vont voter pour le compte de la majorité au pouvoir? On ne sait pas. Est-ce que lui, Kanam, qui ne veut pas quitter le pouvoir? Est-ce que vous pensez qu'il va organiser les élections pour son départ? Donc c'est pourquoi il cherche toujours des alibis pour chercher, pour
amener les choses très loin, telles que machines à voter que les gens n'ont jamais entendu. Les pays développés ont tenté, ben ils nous ont dit, surtout les fabricants. Les fabricants, il a dit que c'est de la merde, il ne faut pas tenter, il ne faut pas oser. Mais eux, ils persistent parce qu'ils savent qu'ils doivent tricher et voler. Donc pour moi, les élections, il ne faut pas qu'on en aille cette année-ci. On doit à tout fait chasser Kabila, le faire partir. Et nous, à partir de ce moment, nous pourrions chercher un gouvernement transitoire qui pourra organiser les choses afin que nous puissions aller de l'avant. Comme Ruffin l'avait bien dit au départ, donc ce gouvernement transitoire sera issu des dialogues, pas les dialogues avec Kabila. Parce que lui, c'est un menteur. Il prend tout pour son profit. Il a organisé beaucoup de dialogues. Bon, il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune évaluation par rapport à cela. Donc, il fait tout taillé sur mesure. Son départ, on fait un gouvernement transitoire qui pourra organiser les fichiers, faire voir comment peut-être organiser les recensements, et puis on pourra aller aux élections réelles que nous attendons. Donc, voilà mon point de vue. Ok, merci. C'était donc les points de vue de nos invités par rapport à la question de l'heure sur la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Restez branchés et on va encore continuer avec ce sujet dans les prochaines éditions.